Un photographe au milieu du bloc opératoire. Et pourtant, il n'y a pas d'intrus. Alain Coiffy, qui est médecin, anesthésiste et réanimateur à l'hôpital Olévêque. Depuis 2013, il prend des clichés qui sont exposés dans le service. Un regard artistique et humain sur tous les métiers de l'hôpital. Une des premières photos que j'ai faites, hein, c'est de montrer le travail de l'infirmière du bloc, William. Il est obligé de rester concentré parce que le chirurgien, avec ses lunettes, n'a un champ de vision qui est grosso modo de 5 cm. Et donc il est obligé d'anticiper le prochain geste que va faire le chirurgien pour lui proposer l'instrument qui est adéquat. Les photos du docteur Coiffy, un regard différent sur le quotidien et qui peut parfois aider à changer la perception qu'en a le secteur médical lui-même. C'est une photo qui a été prise pendant que j'étais en train de prélever une artère pour faire un pontage. Et ce que j'aime beaucoup dans cette photo, c'est que c'est un moment qui est de tension en fait, parce qu'il y a un petit peu de saignement. Et donc la fumée qu'on voit, c'est la manière dont on fait l'hémostase. Et malgré tout, la beauté de la photo montre que c'est un moment qui est beaucoup de sérénité. Des photos qui ont été publiées dans un livre à cœur ouvert, un véritable hommage à tout le personnel médical. Je voulais montrer, mettre en exergue un peu leur travail quotidien, et pas seulement en période de crise. Je voulais simplement leur montrer un peu ce qui se passait dans la vie de tous les jours. À découvrir donc ce regard inédit d'un membre du secteur hospitalier sur ses propres collègues.